Et au nom du groupe RDSE, moi je voudrais aussi à mon tour remercier et féliciter aussi d'ailleurs la présidente, les rapporteurs et vous remercier aussi monsieur le ministre pour la pédagogie que vous avez mis à quand même à traiter un sujet qui est quand même assez complexe, qui aurait mérité sincèrement plus de temps pour les Béotiens que certains sont ici. Même si ça nous a familiarisés avec un grand nombre d'anglicismes, comme Monsieur Ouzoulias, pendant tous ces travaux, moi je vous remercie vraiment du temps que vous avez passé et de la clarté de toutes vos interventions qui étaient très éclairantes. Donc notre groupe était arrivé avec finalement deux exigences, la protection bien sûr des libertés et peut-être aussi une volonté de sévérité contre tous ceux qui trichent dans un domaine qui manipule des sommes considérables et qui ont un impact sur nos vies quotidiennes importantes. Alors, grand nombre, même la quasi-totalité de nos amendements étaient soi-disant satisfaits. Donc, je ne sais pas s'il faut que nous en soyons aussi satisfaits. Et en tout cas, c'est donc dans cet état d'esprit que nous voterons cette proposition, ce projet de loi. Et Madame Mercier, vous concluez les explications de vote.